aussi. Ce 21 décembre, à J-3, jour de Noël 2020. Fin d'année inoubliable, par son printemps tout aussi inoubliable. Les cœurs très peu à la fête. Oui. Tandis que un flash très très particulier, solaire je crois, va nous être envoyé, nos corps, notre ADN, à le recevoir, de même que le 30 décembre aussi. Donc nous aurons le choix de nous le laisser, d'accueillir ce qui vient. Est-ce qu'on a envie de passer, de grandir en conscience? On a envie d'un monde meilleur, branché sur la fréquence de l'amour, en ayant quitté toutes ces raisons que nous avions trouvées d'avoir peur. La cinquième dimension, il paraît, ça s'appelle comme ça. Peu importe. En tout cas, nous sommes des milliards d'individus sur Terre. Et si nous décidons dès maintenant d'être heureux et non pas continuer à accepter cette soumission d'être mis en esclavage par quelques-uns, donc je n'oserais pas donner le moindre qualificatif tant ils seraient nombreux, mais leur examen de conscience, le moment venu, fera son œuvre. Ah, donc soyons tous en amour, en paix. Avec ce monde, cette fin 2020, ces siècles d'esclavage, de compromission, dont nous n'avons rien vu venir, aveuglés par notre petit moi, tout simplement. Voilà. Il est temps que nous ouvrions les yeux. Un nouveau monde, plus lumineux, rayonnant, nous attend vraiment, vraiment. Nous est promis. Il ne reste qu'à chacun de nous d'y souscrire, de dire oui à ça. Je vous salue tous. Je ne voudrais pas gêner. Je ne sais pas si c'est le propriétaire des lieux.